j'ai reçu en même temps. Waouh, quelle belle intro, j'ai reçu. Bon. On est maintenant dans l'hôtel, on est nous trois. Puis j'ai décidé de faire un vlog en français. Yeah. Fait que je veux faire plus d'affaires en français. Fait que là, on s'en va sur l'achat. OOTD. Ok, fait que ça, c'est mon OOTD. Fait que j'étais avec Joe. Et. Amanda. On vient de se rencontrer, fait que non, je suis très mauvaise en nom, puis je m'ai encore le demandé. Fait que je vais arrêter le vlog dans le corridor parce qu'il y avait un mariage tantôt que je veux pas déranger. Bye! En tout cas, je suis vraiment fière de mon ami Born Diva qui se fait des beaux hôtels de même avec sa carte de crédit Visa parce qu'il n'y a pas l'argent dans son compte de banque. C'est quelque chose à ne pas faire. Qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? Je suis pauvre, fait que c'est ma défense. Can't relate. If you're poor, just get a Visa credit card and spend it on hotel. Et un mauvais crédit après ça. Ouais, après ça, t'es sur crédit, ça va bien, ça va bien. Fait que, ouais, là, on s'en va magasiner, puis notre but, c'est qu'on veut se faire tatouer. On vient juste de décider ça. En fait, eux, ils ont décidé ça, puis moi, je suis comme, ok, je vais me faire tatouer aussi. Fait qu'on va se faire tatouer quelque chose, on sait pas c'est quoi. Let's go! You only love once. On se fait tatouer YOLO! YOLO. Ouais, wow! Est-ce qu'on peut juste prendre un moment pour. Comment t'es habillée? Waka, je l'ai vert. Non, mais pourquoi? C'est même pas le même vert. J'ai plus de vêtements. Malheureusement. Pourquoi? Goals. À la base, on était supposé rester une journée. C'est pour ça. Rester une journée. J'ai fait rester plus longtemps à Montréal. Mais j'étais motivée à voir Ellie. On se voit. Of course. Puis là, j'essaie de le convaincre de venir habiter à Montréal pour qu'on se voit plus souvent puis qu'il fasse mes vidéos YouTube. Jamais de la vie. S'il fait mes vidéos YouTube, ça veut dire que je vais sortir des vidéos plus souvent. Exactement. Plus d'Ali, puis plus de moi. Alors, salut. Burn Diva. That's all you need. Fait que si vous voulez que Jonathan déménage à Montréal puis qu'il commence à faire mes vidéos YouTube, comme ça, je vais sortir des vidéos YouTube plus souvent, ça veut dire commenter. Partage. Commenter, genre, ouais, Jonathan, le ch***. Fait que c'est ça. Ok, fait que tout le monde commande. Ah ouais, Jonathan. Ok, not? Good, bonne idée. Ah, oh, les amis, comme ça fait du bien d'être au Carrefour Laval. Magasiné avec 0$. Ouais, parce que je suis la seule qui est pas pauvre ici. Mais t'as oublié ton argent. C'est tellement triste de dire ça, mais genre triste pour moi, je parle, genre le monde, mettons. Non, mais je veux dire, je dis pas que je suis riche, juste que je suis pas pauvre. Mais j'ai oublié mon argent à la chambre d'hôtel. Fait que ça va m'empêcher. Tu sais, je voulais comme dévaliser le Gucci et Louis Vuitton Store qu'il n'y a pas. C'est la nouvelle Jeffree Star du Québec. Ouais, je suis à Jeffree Star du Québec. Exactement. Avec mon make-up. Là, je vais commencer à vendre du make-up. Check it out, guys. Make-up. Rio Cosmetics. Coming soon. Coming soon. Ok, fait que là, je sens que j'ai vraiment beaucoup de responsabilités parce que eux, ben, ils sont jamais venus au Carrefour Laval. Fait que c'est comme moi qui décide c'est où qu'on va. Mais on n'a rien acheté. On sait pas qu'est-ce qu'on fait. On est des jeunes qui flânent dans le centre d'achat. Alors venez nous arrêter. Ne flânez pas dans les centres d'achat, les amis. C'est déconseillé. C'est pas le fun pour les centres d'achat. On va faire un meet-and-greet. C'est pas le fun pour les centres d'achat. On peut-tu aller à tous les magasins où il y a des trucs pour goûter, mettons, puis goûter. Je viens d'entendre si vous avez pris mon rire. Sad. Tu l'as entendu? Non. Live, je vais pas manger parce que je suis fucking BS. Pas argent parlant, c'est juste une expression que je dis tout le temps. Je sais pas si l'expression est mal, dites-moi dans les commentaires. Est-ce que l'expression dit je suis fucking BS, est-ce que c'est mal de ça? En tout cas, je suis fucking bullshit parce qu'il y en a qui pensent que c'est bien-être social, mais non, BS en anglais quand tu dis ça, c'est bullshit. Donc je suis fucking bullshit parce que je m'en vais au restaurant et je ne mangerai pas parce que. Oui? Allô? Ah, je fais un vlog. Oh! Hey! We just met! Yeah! Oh my god! Oh, c'est correct! Oh my god, genre! Oh my god! Ah! Genre! C'est bon! On veut filmer ce soir une vidéo, moi contre Jonathan. Qui mange le plus de Timbit? Qui est capable d'en manger le plus? Donc là, je me disais, ok, mais fuck that! Je vais pas manger live parce que je vais me garder de la place parce que je suis hyper compète. J'ai contour mon nez, comme que tout le monde pense que j'ai un autre job, mais non, c'est juste parce que je contour mon nez. Puis live, je suis en train de me dire qu'il est bien fait. Ouais, c'est sûr que j'ai un boob job. Check-moi la grosseur de ça. Sad. Bon, donc là, vu que je suis une broke ass bitch, j'ai Jonathan qui paye pour moi. C'est ma sugar, mon sugar daddy. Of course. Thanks, daddy. Avec une visa. Ouais. Fait que là, je vais recevoir mon smoothie et... Attends. Ah.
je les avais enlevés. Puis là, j'entends me dire, oh, c'est fou comment t'es comme tout le monde, puis que blablabla, genre, t'es pas comme les gens Instagram, blablabla. Alors là, j'étais comme, ah, je vais les remettre, puis je vais me filmer en train de les enlever. Comme ça, le monde, ils vont voir comment je suis sexy quand j'enlève mes Invisalign. OK, fait que j'ai dit, là, genre, 2 secondes que j'allais pas manger pour garder de la place pour la compète. Mais c'est trop bon. Mais je suis quand même hyper compète. Je vais quand même gagner. Tant que je te torche. Je vais te torcher solide. OK, fait que là, il y a un gars qui vient de venir me voir. Il est comme, allô, est-ce que c'est Elisabeth Rioux? Je suis comme, ouais. Il fait, ah, OK. Puis il s'en va. Il est parti. Il est juste parti. Fait que là, on s'est dit, OK, prochaine fois, parce qu'à chaque fois, le monde lui demande ça, est-ce que c'est Elisabeth Rioux? Mais comme, clairement, ils savent. Donc là, prochaine fois que je me fais demander, je vais être comme, qui? Quoi? Pas moi? Je vais essayer de le filmer, si je suis capable. OK, donc là, juste comme on s'en allait, on a croisé, c'est quoi ton nom? Alexandre. Et oui, alors, je sais pas, est-ce que vous voulez dire quelque chose? Salut les gens! Ils voulaient être dans le blog, fait que c'est ça. Fait que vous êtes dans le blog. Merci! OK, fait que là, en fait, on est vraiment pas venu ici longtemps parce qu'on s'est rendu compte que la place où on voulait se faire tatouer, ben, il ferme bientôt. Fait qu'on s'en va là live. Puis on se fait tatouer, on sait pas encore quoi. On a fait un pool sur Instagram à savoir est-ce qu'on se fait tatouer quelque chose de laid ou quelque chose de beau. J'ose imaginer que les gens vont vouloir qu'on se fasse tatouer quelque chose de laid. Donc, je vais probablement faire tatouer quelque chose de laid. OK, j'ai une idée. Pour notre tatou, vu qu'on sait pas quoi faire, on fait, faut qu'on texte la dernière personne qu'on a texté dans notre cell, qu'est-ce que je me fais tatouer. Puis là, si elle répond de quoi de cool, ben c'est cool, on se fait tatouer ça. Mais si elle répond. Non, mais si la personne répond, mettons, genre quoi, ou genre de quoi tu parles, on se fait tatouer, genre de quoi tu parles. Ou genre le truc que la réponse, personne répond. Genre, on fait la réponse. Si la personne a dit c'est ça, on fait ça, mais sinon, on. Qu'est-ce qu'elle dit, genre. On fait ça. Puis c'est forever! Fait que là, je sais pas si qui t'a texté en dernier dans ton cell, mais non, on va pas voir! Mais c'est la fille, je sais c'est qui. C'est la fille, tantôt, pour dire que j'en ai pas au chiffre. Va falloir que t'as texte, qu'est-ce que je me fais tatouer? Okay, okay. Lui, il a cancellé sa job pour genre rester à Montréal. Je sais pas si t'as fait semblant d'être malade. T'as fait quoi? Il a juste non, cancellé. Il est arrêté pour vrai. Non, bon. Je vais pas arriver en retard. C'est non, pas la vérité, c'est ça. Ok, j'ai attendu de m'expliquer un truc vraiment très genre, intéressant. L'autre jour, j'étais sur Twitter en train de regarder du p. Je suis tombé sur une vidéo de f. Puis le c'est genre, tu rentres un point dans le p, tu fais. Puis là, il a ramassé le fond. Il l'a tiré, puis là, on aurait dit une fraise. Puis honnêtement, live, j'ai perdu mon char. Attends, c'est-tu mon char? Oui! Wow! OK, j'ai we trouvé mon it, char. Comment vous sentez? Yes, bitch! Fait que j'ai hâte, je vais texter la dernière personne que j'ai textée. Puis ça va être un moment crucial. Genre, cette personne ne s'imagine même pas comment elle a mon futur entre les mains. Vous comprenez? Fait que je vais avoir ça sur mon corps forever. T'imagines, moi? C'est vrai, hein? Mon premier tatou, là. Premier tatou! Ça va être par ta boss. Ma boss. LOLZ! Là, j'ai texté la dernière personne que j'ai texté, puis la personne m'a répondu. Où es-tu veux que ça représente quoi avec l'emoji qui réfléchit? Ça serait tatouer ça? Ben oui, c'est ça le défi. Je peux même pas dire en plus c'est qui la dernière personne que j'avais texté. C'est trop confidentiel. Événement VIP, bonsoir! Ouais. Vraiment, trop confidentiel. Puis la personne, elle le sait, puis elle va peut-être regarder cette vidéo-là, puis je te salue. Salut! Donc, on vient d'arriver à l'endroit qu'on a trouvé sur Internet. On s'en va checker ça, si on a le temps de faire tout ce qu'on peut faire. Bon, on est vraiment raté, on a vraiment raté notre shot. ouais, dans le fond, on a appelé avant pour dire si c'était correct qu'on venait. On a dit on va arriver dans genre 10 minutes, puis là, après ça, j'ai rappelé genre une minute après, puis j'étais comme « Ah oui, mais là, faut aller sortir de l'argent, fait que ça prend un peu plus que 10 minutes. » Fait que finalement, on est revenu genre 24 minutes plus tard, puis là, comme « Ah non, là, il est trop tard, puis je suis comme « On a appelé avant. » Pourquoi? Genre, pourquoi? Pourquoi on s'est déplacé jusqu'ici? Pourquoi on nous a dit oui, et là, on nous dit non? Ouais, je pense que c'est un signe de Dieu qui veut pas qu'on se fasse tatouer ça. Fait que là, on est comme vraiment triste, puis on se dit, bon, mais c'est pas grave, on va le faire une autre fois. Puis là, on va aller faire notre défi de Tim Hortons. Timbits. Ouais. OK, go. Hey guys, we made it to the Tim Hortons! We're gonna buy Tim Hortons! Film d'horreur. Je suis vraiment triste. Il reste comme 3 chocolats shotgun.
C'est mes préférés. Chocolat et gâteau de fête. Si un jour quelqu'un veut m'acheter des Timbits, you know, c'est quoi m'acheter. Mais achète-moi pas de Timbits parce qu'en fait, j'en mange pas. Mais à part aujourd'hui. On a nos Timbits prêts pour le challenge. On va voir qui en mange le plus. Donc, je commence comme ça. Avec ma Timbits. J'ai juste du Juco Juice dedans. Mais on va voir la réalité après manger 50 000 Timbits. Ooh. Ici, on a Jonathan avec 51 petites bites. Salut les pétards! Ok, on est prêts. Non, pas d'eau, pas d'eau, pas d'eau. Rien. Genre, cul sec. 3 minutes. Pour manger 50 le plus de Timbits qu'on peut. Fait que ça commence dans... Faut être stratégique. Genre, si tu manges trop d'un coup, tu vas avoir mal. Ouais, je sais, mais je veux connaître, tu vois. 1, 2, 3, go! Ok. Pas celle-là. Mais trop beau, hein? Mmh. Oh, ça va beau! Hey, j'en ai mangé un, puis j'ai ça. Des Timbits, c'est trop belle. Je sais pas si c'est vrai, en fait, mais... Il reste 2 minutes. Ça s'est dépassé! Là, il est dépassé! Ça se voit. 4e. Ah, c'est horrible ça! C'est plus facile à manger. C'est gras! Pas bon, mais. Pas bon, mais. Ah, c'est horrible! Oh! Oh, j'ai Il y en a juste 2 minutes. Moi, j'étais à 5. C'est mon 5. 6. Pas bon, mais. Moi, j'étais à 6. Je compte même plus. Bah, tu. On regardera sur la vidéo après. Ouais. 7. Je peux pas manger ça là, c'est horrible. Mélanger. J'étais à combien là? 7. 7? Toi? Mais bon, on est à 7. Ouais. Ben! D'après moi, Joe, il va bientôt aller de l'île. 9. Le reste qui me restait. C'est qui a gagné, hein? Elle, c'est sûr. Arc, c'est horrible. Qu'est-ce qu'elle a pas soupé? Bon, mon estomac va très bien. Ah! Ouais! Moi, je suis hyper compète. J'ai gagné. Bon, attention. Je me sens maintenant bloated. C'était ça, mon victoire.
Oh, faut que j'aie un vrai repas. Nutrition Fit Plus, s'il vous plaît, quand j'arrive à la maison. OK, guys, fait que je vous laisse sur ce petit moment de vidéo. Donc, on a vraiment l'intention de get nos tatous, mais ça va être pour une autre jour. What? Fait que c'est ça, si vous voulez voir plus de vidéos, ben, oubliez pas de subscribe à ma chaîne puis à celle de Jonathan. Donc, c'est ça, on vous aime. Bye! Bye, les petits! Allez, fais une position genre de loser.